Magie, magie. Oh oh, ça fonctionne. Et alors en bas? Oh oh, voilà une bonne chose de faite. Je te cache pas qu'avoir de la lumière sur ton chantier, c'est quand même du luxe. Le petit machin là que tu dois transporter dans toutes les pièces chaque fois que tu te déplaces, eh bien, c'est fini. Regarde-moi ça, les beaux petits trous que j'ai fait dans le plafond. Et là, j'en ai fait quelques-uns, là. Là, je me suis lâché. Donc, ces petits trous, ça me permet d'identifier le passage des poutrelles dans le plafond. Et je pourrais fixer dedans les petits pitons pour tenir le système, pour le faire à l'âge du plafond. S'il y a bien un outil que tu dois acheter lorsque tu fais la rénovation de ta maison, c'est bien un niveau laser, quoi. Le temps que tu gagnes avec ça. Donc j'ai positionné le laser, on ne le voit pas ici, elle est déjà sur une de mes poutres. J'ai tracé la droite, j'ai vérifié au milieu et au bout que je suis toujours sur la poutre. On ne sait jamais, tu vois, qu'elle tournerait. Et donc maintenant, je vais pouvoir fixer tous les 50 cm un piton. Et puis je vais réitérer le truc autant de fois qu'il faut pour pouvoir y fixer mes fourrures. Tu vois, le plafond, il est quand même pas mal abîmé. Et je pense que ça ira plus vite pour moi de refaire un faux plafond que d'essayer de tenter de sauver le bazar. Je préfère le faire maintenant et être quitte que de devoir le refaire dans 6 mois ou un an et de râler parce que je l'avais pas fait, quoi. Tu vois, l'inconvénient avec les pitons, c'est que si tu ne fores pas droit, eh bien voilà. C'est gênant parce que j'ai pas beaucoup de marge pour refaire un deuxième trou dans la poutrelle. Eh bien voilà, on est beaucoup mieux là maintenant. J'ai fait un petit trou juste à côté. Encore une bonne chose de faite. Je te cache pas que je suis moyennement satisfait des pitons et des cavaliers. Parce que, comme tu as vu, si tu enfonces mal ton piton, d'office, tout est de travers, quoi. Maintenant, les petites différences de 1 dixième de millimètre au plafond, je crois que personne ne va les remarquer.